Camille Serre, ce président américain qui était fou d'elle, Sylvie Tellier balance. Ce samedi 8 juin 2024, Sylvie Tellier était l'invitée de Bruno Guillon sur RTL. L'ancienne présidente du comité Miss France a livré une drôle d'anecdote sur Camille Serre. Lors d'un déplacement à Miami, elle a visiblement tapé dans l'œil d'un ancien président américain. Ce qui l'a mise dans l'embarras. Le 18 août dernier, Camille Serre, ancienne Miss France 2015, a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Malo. Un rêve accompli pour Camille Serre et son compagnon, le mannequin et comédien Théo Fleury, qui vivent donc une très belle histoire d'amour. Depuis cette date marquante, la jeune maman partage régulièrement des moments de sa nouvelle vie familiale sur les réseaux sociaux. Le vendredi 10 mai, elle a surpris ses abonnés en dévoilant son impressionnante perte de poids post-accouchement sur Instagram. 9 mois après la naissance de son fils, Camille Serre a retrouvé une silhouette svelte, qu'elle a fièrement exhibée en essayant un ancien pantalon. J'essaie un jean que je portais juste après mon accouchement, a-t-elle écrit, visiblement amusée et satisfaite des progrès réalisés. Ce post a suscité de nombreuses réactions positives de la part de ses fans, admiratifs de son parcours. Elle a du dossier Camille, des photos avec et tout. Mais avant de connaître la vie de famille, Camille Serre a vécu de drôles d'aventures. En 2015, après avoir été couronnée Miss France, Camille Serre a tenté sa chance au concours de Miss Univers à Doral, aux États-Unis. La jeune femme, alors âgée de 20 ans, a fait face à des situations inattendues, notamment les avances de Donald Trump, propriétaire du concours à l'époque. Camille Serre, accompagnée par Sylvie Tellier, s'est envolée pour Doral, une banlieue de Miami, afin de représenter la France à Miss Univers. Selon les confidences de Sylvie Tellier dans l'émission Le Bon Dimanche Show diffusée le 9 juin sur RTL, Donald Trump s'est montré particulièrement entreprenant envers Miss France 2015. Sylvie Tellier a révélé que Donald Trump avait été très attirée par Camille Serre. Elle a du dossier Camille, des photos avec et tout, il la suivait avec sa voiturette de golf, a raconté Sylvie Tellier, ajoutant que Trump était fou de Camille Serre. Elle m'appelait, elle me dit, je fais comment? Je dis, ben écoute, tu lui dis, merci monsieur, mais non, a-t-elle précisé. Alors, bonne ou mauvaise anecdote ?